la caisse si t'arrives. Tu te trouves au lit. Comment? David, toi, quand tu es concentré, c'est celle-ci là. Ça venait ici normalement. Et oui, oui, oui. Donc, tu as dit qu'il y a quelque chose. Il y a un anniversaire ici dedans. Non, t'es tellement. Mate. Bon, j'appelle notre responsable, je viens. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, on peut passer. Non, 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 boss, c'est interdit d'entrer. Depuis un an que je travaille, c'est l'orgue qui est venu de plus haut. C'est une propriété privée. Interdiction d'entrer. C'est pas ici que la boisson est entrée. C'est bien ici, sans creux. Quoi? Il y a un anniversaire à l'intérieur, c'est ici. Je suis le notable de faux. Notable. La jeune au chef du village. Notable? Oui. Et ambulant. Est-ce que tu peux appeler donc ton patron? Mon petit, tu crois qu'un responsable comme ça peut mentir? Grand, je ne peux pas accepter que vous entrez. Tu veux que je perde mon travail? Laisse-lui faire son travail, pardon. Tu veux que je perde mon calme travail? Calme-toi. Ça va. Ça va. Vas-y alors. Appelle ton patron. D'accord, boss. Donnez-moi 2 minutes, j'arrive. S'il vous plaît, là, est-ce que vous pouvez m'appeler le boss? Ok, merci. Ça. Ici. Boss. Ça, c'est deux messieurs qui font ça en creux. Bonsoir, frère. Je suis responsable. Bonsoir. Oui. En fait, je suis le notable de faux. L'agent au chef. Ensuite. Oui. Et ça, c'est. Ton subordonné. Ma caméra. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu m'as dit qu'il y a l'anniversaire là-dedans, non? Quand il y a cérémonie. L'ordre vient de la chefferie pour que vous fassiez la cérémonie. Mm-hmm. Bon, maintenant, comme c'est l'anniversaire d'un enfant, on ne peut pas tout dicter. On veut juste voir de quoi il est question. Et pendant que l'anniversaire soit en cours, on vous explique comment ça se passe dans ce village. Je ne trouve pas votre présence utile à ma fête. Vous avez dit que vous faites quoi là-dedans? L'anniversaire de ma fille. Si c'est l'anniversaire de votre fille, est-ce que vous savez que c'est les ancêtres qui veillent sur les enfants de ce quartier? C'est ça. Ou bien vous ne trouvez pas que la tradition, vous voulez bafouiller la tradition, bafouiller tout. Vous ne pensez à rien qu'on cause ici. Laissez qu'on entre et puis, pendant que l'événement est en cours, on va mieux vous détailler vous comment ça se passe. Non, vous n'entrez pas chez moi. Comment? Ça veut dire que c'est vous qui dites désormais comment ça va se passer ici. La toiture rouge, vous voyez là, il y a eu le mariage là. Le premier rang là, c'était les notables. Le deuil qu'il y a eu ici, en face. Le premier rang, c'était les chefs devant et sa suite, les notables. Tu n'as pas vu? Maintenant, comme c'est un petit anniversaire, on te dit qu'on a deux à deux personnes. On veut voir juste comment ça se passe. Vous voulez nous bloquer hors de la maison? On ne le dit pas. On a que si vous savez que ce que ça fait, l'inconvénient. Si vous fêtez l'anniversaire d'un enfant comme ça, la nuit, les vampires mangent cet enfant. On va s'en prendre aux ancêtres. C'est ça, chef. Alors que le problème, c'est nous-mêmes. Ne bafouillez pas. C'est pas bon. Oui. Ne faites pas ça. Et même le terrain où vous avez conçu là, c'est le chef qui était témoin. Oui. Le quartier, c'est comme ça, c'est nous. Vous avez fini de vociférer. Est-ce qu'on est en train de vociférer? Laissez qu'on entre et puis notre. J'ai dit non. Oh. Mon frère, pourquoi tu es nerveux comme ça? Est-ce qu'il y a un code de question? Que vous soyez nécessairement présent à la fête de ma fille. Je vous ai déjà expliqué, c'est la tradition qui le dit, ce n'est pas moi. Je n'ai rien à foutre avec la tradition, je dis non. Non, vous voulez bafouer la loi de ce village. Vous maîtrisez mieux la loi que moi. Laissez qu'on entre, on n'est pas ici pour une guerre. Maman, vous vous êtes trompé d'adresse, c'est ce que je constate. Ça ne sert à rien qu'on cause de vous, laisse qu'on entre. C'est mieux, et puis, on cause à étant assis. Et tu laisses, je suis avec votre patron, pardon. Vous les vigiles, c'est votre travail, c'est les coups de poing. Ici, ce n'est pas les mêmes. On parle de la tradition. Pardon. Yes. Je suis avec lui. Pour votre bon gouvernement, je suis l'avocat Santana, maître au barreau du Cameroun. Je suis maître Santana, avocat au barreau du Cameroun. Grand frère, vraiment mon frère, quand il dit même grand frère, c'est... il y a la loi d'en haut.
la loi que vous faites au parquet. Mais ici au village, c'est la loi traditionnelle. Je me fiche de ce que vous dites. Allez-y donc. Ne me faites pas perdre patience. Grand frère. Nous sommes dans nos lois. Grand frère. Nous sommes dans nos lois. Vous ne pouvez pas tout bafouer dans ce pays. Dans tes territoires ici là. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous m'obligez donc à faire ce que je ne souhaitais pas. Ah. C'est avant. D'accord. On a un testament, on sort. On dit quoi? Calme-toi, calme-toi. Si c'est le chef que vous appelez, ça, il est même, je suis sûr même que son téléphone ne passe pas. C'est Et ça. Il sait que nous, on est sur le terrain. Le chef sait qu'on est sur le terrain. Monsieur le commissaire. Madou. Attends. Monsieur, reculez-vous. Quelqu'un m'a fait la prison, c'est pour rien. C'est quoi vous restez à côté, mon boss? Vous osez bloquer mon appel? Mon frère. Reculez-vous à côté de lui. Vous osez bloquer mon appel? Grand, ça ne sert à rien d'appeler la force de l'ordre puisqu'il n'y a pas des ordres. Rien. C'est un manchon qu'on utilise. C'est un manchon qu'on utilise. C'est quoi? Vraiment, c'est rien du tout. Mais finalement, vous jouez à quoi? C'est la famine qui nous pousse à vous. Nous sommes les touristes. Je suis vraiment. Donc, je ne suis même pas notable. Je suis même qui est dans ce village. C'est faux. Ouais. C'est un modèle qu'on utilise. C'est faux, ce boubou est vrai. C'est le dop. C'est l'origine. C'est un modèle que je. Je veux vous montrer de quoi je suis capable. Ouais. Grand, je dis que c'est un modèle qu'on utilise pour manger. Quand je vous explique. Ne touchez plus mon patron. Reculez-vous. Reculez-vous. C'est un modèle pour la nuit. Reculez-vous. Vous savez que. Au Cameroun, en ce moment, ça chauffe en haut, ça chauffe en bas. Partout. Et chacun utilise sa stratégie, sa ruse. Pour vivre. Chercher de quoi mettre sur la dent. J'ai vu, on s'y blâme, c'est même les casiers qui nous ont dirigés ici. C'est même pas que. On a vu juste les casiers. J'ai dit que file. On a filé, c'est où on a dit que c'est l'anniversaire. Qu'est-ce qui me prouve donc que vous n'êtes pas venu voler chez vous? On n'est pas venu voler. Ouais, je vais vous mentir pour gagner quoi? Je suis le président autoproclamé. Des touristes. Notre association, c'est que le président. On fait que dans les événements. Ça sert à quoi? Le plus souvent, la nourriture prend le dessus sur nous. On garde. On en parle. Mais dites-moi que vous avez faim. Oui. Même ça, non. Ouais. Même toi, non, mon frère. Ouais. Tu gesticules beaucoup. Tu gesticules beaucoup. Ah. On est dans un problème comme ça. Si le commissariat, tu peux t'exprimer. C'est pas grave. Si ça s'écoule comme ça, quelqu'un se retrouve devant. Tu vas dire quoi? Tu es présent, non? Venez. Merci beaucoup. Tu cherches de quoi manger. Merci, présent, merci. Si tout le monde pouvait comprendre comme ça. Que t'as... ceux qui ont les bras longs doivent donc, soutenir donc, ceux qui ont les bras courts. C'est que ce pays fonctionne normalement. Vraiment que cet enfant ait même 100 ans sur terre. Bref, sa durosité sur terre ne gêne en rien, ça ne gêne personne. Qui sont mes ministres? Vraiment. Comme même votre barbe qui a blanchi là, que ça devient même noir. Vraiment. C'est ça. Vraiment. Que l'enfant même soit ministre. Oui, vraiment. Merci beaucoup, Grand. Merci. Merci beaucoup. Monsieur. Merci. Calme-toi. Quoi? Je fais quoi? Je sais que quoi? Je ne dois rien. Le pays s'il fonctionne comme ça. Il y a la loi de l'œil. Dites-moi, on ne te donne rien. Maintenant c'est comme ça, et pour elle dans le bouton. Maintenant c'est comme ça, on ne fait même plus les plans.